c'était une belle rencontre. J'ai vu à quel point ça sert d'avoir un éditeur qui est sympathique et qui donne de bons conseils. Et merci donc à la Maison des sciences économiques de me donner l'occasion d'essayer d'exposer un petit peu mon travail. Donc non, je ne vais pas du tout essayer de résumer ça. Si vous le voulez bien, je vais essayer avec un propos transverse, parce que ça, c'est en fait un cumul réécrit d'une douzaine de conférences qui ont été présentées entre avril 2013, je crois, et avril 2017. Donc elles ont été réorganisées, mais je ne vais pas les présenter. Je vais prendre un propos un petit peu transverse, qui est d'ailleurs celui qui anime l'ensemble de mes réflexions. Je pourrais l'appeler, on l'a appelé « Quel futur possible à l'ère de l'Anthropocène ?» On pourrait dire « Quel progrès possible à l'ère de l'Anthropocène ?» Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est une interrogation sur le progrès. Où va le progrès? Est-ce qu'il y a eu progrès? Est-ce qu'il peut encore y avoir progrès? Dans quelle direction? Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Parce que je pense que vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je suis philosophe de formation, mais je suis aussi économiste. J'ai fait des études de gestion, un MBA, donc je travaille dans les entreprises. Je ne suis pas du tout professeur, hein, donc je n'ai pas l'éloquence non plus d'un professeur, excusez-moi, mais je travaille dans les entreprises depuis longtemps, depuis presque 1980, et je suis spécialisé en ce moment, et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à ces sujets-là, sur les questions de stratégie dans le monde industriel et dans les nouvelles technologies. Et là, j'y vois des choses surprenantes, et qui font partie aussi, qui se rejoignent avec les questions écologiques, technologiques et économiques qu'on peut se poser. Je voudrais commencer cette réflexion par quelque chose, voilà. Je crois qu'il y a un thème, je voudrais attirer votre attention là-dessus, un thème qui devient de plus en plus connu, à tel point que ça devient une sorte d'évidence partagée, c'est le thème de la fin du monde. C'est bizarre d'en parler, mais je crois que moi qui m'intéresse à tout ce qui est prospective et philosophie en ce moment, je vois monter ce thème de la fin du monde. J'en ris, parce qu'il vaut mieux le dire de façon un peu cool, mais voilà. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'on se fait peur pour rien? Est-ce que toutes les périodes ont parlé de fin du monde ou ont eu peur des apocalypses de la même façon? Il me semble qu'il y a quelque chose de particulier, je crois, j'espère me tromper à la limite, de particulier avec ce risque aujourd'hui. Hein, l'exposé que je vais vous faire, là, si vous le voulez bien, il va, après une première introduction, il va se découper en six parties. Et je passerai rapidement la seconde partie sur le concept d'anthropocène, mais j'en dirai un mot quand même pour préciser. Je pense que c'est bien connu, mais j'en dirai quand même un mot. Ensuite, la troisième partie, j'essaierai de vous dire ce qu'il y a de particulier dans la situation aujourd'hui, au XXIe siècle, par rapport aux grandes conceptions du futur ou du progrès qu'on peut repérer sur toute l'histoire de l'humanité. Ensuite, j'essaierai de vous dire ce que je crois comprendre de la façon dont les philosophes des Lumières ont mis en place, ont permis de cristalliser une idée, ont donné un nouveau sens à la civilisation occidentale. Et c'est intéressant de s'interroger là-dessus, parce que peut-être qu'on aurait besoin aujourd'hui, au début du XXIe siècle, de quelque chose comme ça. Ensuite, ça sera la cinquième partie. J'essayerai de vous dire toutes les alternatives qui ont déjà vu le jour. C'était non pas l'objet de ce livre-là, mais du précédent que j'avais intitulé « De nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs ». Parce que finalement, il y a déjà beaucoup de réflexions, notamment dans l'écologie politique, mais pas que, qui essayent de nous faire sortir un petit peu des impasses stratégiques dans lesquelles on est aujourd'hui. Et à la fin, tout à la fin, j'essaierai de vous dire qu'est-ce que pourraient être quelques idées pour une nouvelle formule du progrès. Parce que le progrès tel qu'il est conçu aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment, dont je reviens au début de mon exposé, il nous emmène, je crois, dans des impasses stratégiques. Essayons de mettre des mots derrière ça. Pourquoi on peut dire que la question de la fin du monde est un sujet qui devient un peu préoccupant pour de bon, je crois. Essayons de comprendre ce qui s'est passé, par exemple, entre 1900 et l'an 2000. Entre 1900 et 1910, de façon un peu caricaturale, personne ne pourra aller voir ces chiffres, mais je pense que 80-90% des personnes en France, prenons l'Occident, avaient confiance dans le futur, avaient confiance dans le progrès. Je pense que 80% des gens pensaient sincèrement, du fond de leur cœur, disons, que leurs enfants auraient une vie normalement plus simple que la leur. Il y avait une grande foi dans ce progrès. Il me semble qu'aujourd'hui, un siècle après, c'est l'inverse. Je crois qu'il n'y a plus qu'une vingtaine de pourcents de gens qui peuvent se dire tranquillement que l'avenir de leurs enfants sera plus simple que le leur. Il me semble. Il me semble parce qu'il y a de sérieuses raisons de se poser des questions. On est dans une civilisation qui a acquis des pouvoirs tels que
elle fait miroiter à la fois de grandes promesses, mais aussi de grands risques. Pourquoi, si on essaye de mettre des mots? Je suis assez friand, moi, de toutes les conférences de scientifiques dans le domaine de la physique, de la médecine, de la biologie. Je suis toujours frappé de voir comment, depuis une ou deux décennies, les scientifiques eux-mêmes nous alertent tous, que ce soit en géologie, en biologie, dans les sciences physiques, en écologie, n'en parlons pas. Tout le monde nous alerte, tous les scientifiques nous alertent sur le fait que nous atteignons une capacité d'intervention sur le monde, nous transformons le monde dans des proportions telles que ça va poser problème. Et encore, chacun se dit ça dans sa discipline, parce que l'autre caractéristique, pour moi qui lit beaucoup et qui vais à de nombreuses conférences comme ça, l'autre caractéristique qui est très très frappante, c'est de voir à quel point ces sciences ne communiquent pas entre elles. Vous allez à 3 conférences d'un biologiste, vous avez compris des problèmes que les confrères qui travaillent sur les cellules souches, par exemple, n'ont pas vu. Donc il y a un problème, un important problème d'être capable de faire la synthèse de tout ce qu'on est capable de faire en termes de transformation du monde. Et plus personne ne l'est. Il y a des beaux textes de Norbert Elias sur la question. Ensuite, il y a aussi une question d'exponentielle. Personne ne comprend les fonctions exponentielles. Personne ne comprend ce que veut dire un taux de croissance de 3% par an pendant un siècle. On multiplie par 2, par 3, je ne sais plus, j'ai plus en tête, mais je crois qu'une croissance ne serait-ce que de 2% par an pendant un siècle, c'est un... Qui double. Mais voilà, ça double en 30 ans, en une génération, vous voyez, donc 4%, vous imaginez. Et puis, il faut savoir que, il y a aussi, en parlant de proportions, nous avons maintenant de nombreuses entreprises qui ont plus de capacité, de chiffre d'affaires que les PIB de pas mal de pays dans le monde. Hein. Ça pose un énorme problème sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en tant que consultant, moi qui vois de près la façon dont se construisent des stratégies dans le monde de l'industrie notamment, je vois très bien comment fonctionnent les marchés financiers, les conseils d'administration, les comités exécutifs, je vois comment se prennent les décisions. Je voudrais vous alerter sur le fait qu'il n'y a pas de place sur cette terre, c'est évident, pour les stratégies cumulées de tous les plus grands industriels d'aujourd'hui. Il faut le savoir, se le dire comme ça. Il n'y a pas de place pour cette terre, pour tous ces projets. Si on mettait dans l'air autant d'avions que Airbus et Boeing veulent leur faire, autant de voitures que Renault et Opel veulent construire, si on consomme autant de pétrole que Shell veut nous en faire abreuver, il n'y a pas de place pour fonctionner comme ça. Là, ça commence à devenir évident. C'est des choses qui n'étaient pas du tout évidentes un siècle passé. Là, ça devient évident. Bon, et il y a en plus, on intervient, on voit que les proportions sont telles qu'on va vers des crises systémiques, que ce soit en termes de climat, de finances, de biodiversité, des technosciences, d'intelligence artificielle, d'énergie, même les terres arables commencent à poser des questions, puis il y a même d'autres problèmes, la bidonvillisation d'une grande partie de la population mondiale, tout ça c'est des phénomènes qui interrogent quand on les met bout à bout, il y a vraiment de quoi se poser la question de savoir si oui, on peut toujours continuer dans ces directions. Ben je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas d'autant que si je relève la tête et que j'utilise à la fois mon statut de consultant et de philosophe, il y a, si je voulais résumer, 3 choses depuis une dizaine d'années, depuis le début des années 2000, qui convergent et qui font en sorte que je crois que les questions scientifiques, les questions économiques et les questions philosophiques se rejoignent. Ce n'était pas le cas jusque l'an 2000, ce n'était pas le cas jusque l'an peut-être 2010, mais là maintenant, elles se rejoignent. Si on ajoute la mondialisation et les proportions qu'elle prend, si on ajoute le concept d'anthropocène et ce qu'il nous enseigne, et je vais y revenir tout à l'heure, et si on ajoute tout ce qui se passe en termes, par exemple, aujourd'hui, depuis les années 2012-2013, de transformation numérique, alors là, ça prend des proportions telles que je pense que les questions économiques, scientifiques et philosophiques sont les mêmes. Je pense, enfin, moi, je vois les choses comme ça, sont les mêmes. Je vous parlais de stratégie dans les entreprises. Aujourd'hui, depuis les années 2012-2013, on ne parle plus que de transformation numérique. D'accord ? Les entreprises y mettent des millions, des milliards dans l'utilisation des NBIC, du Big Data, de l'intelligence artificielle, de la 3D, de la blockchain. Et tout ça a des conséquences extrêmement importantes et va en avoir très bientôt des conséquences extrêmement importantes sur le tissu du vivant et sur les collectifs humains, dans des proportions qui deviennent complètement qui nécessitent de se réinterroger, c'est ça l'objet de mon exposé, sur le sens du progrès. Et là, je voudrais insister
Je vais utiliser plusieurs fois le mot « les plus grands acteurs de la civilisation occidentale ». Je veux, disons, les 100 plus gros acteurs de la civilisation occidentale. Qui c'est? Vous savez qu'il y a le G5, le G12, le G19, c'est le G20, les plus grands États de la planète se rencontrent de temps en temps pour prendre des décisions. À Davos se rencontrent aussi les plus grandes multinationales. On parle des 30 plus grandes multinationales qui ont un impact important sur, on va dire, l'avenir du monde. Mais certains sociologues et certains économistes ont commencé à considérer que les villes aussi doivent être considérées comme des unités de fabrication du monde. Les grandes villes, les grandes mégalopoles sont aussi des endroits où on décide des choses qui ont un impact sur le devenir du monde. D'où un Américain, je ne sais plus qui, j'ai récupéré ça quelque part, il parle du G20, 30, 40. Et il dit, voilà, si on voulait avoir des messages politiques à faire passer aux principaux décideurs de l'avenir du monde, il faudrait un comité de ce G20, 30, 40. Moi, j'en ajoute une petite pincée, une dizaine pour faire G100, pour faire un compte-ron, une petite pincée d'institutions internationales, même si elles n'ont pas beaucoup de poids. Admettons qu'on mette l'ONU, le FMI, pourquoi pas Amnesty International, pourquoi pas le Vatican, pourquoi pas l'OMC, vous voyez, une dizaine comme ça. Parlons du G100. Je pense que c'est intéressant de s'interroger sur ce qui pourrait faire en sorte que les façons de se comporter les plus grands acteurs de la mondialisation soient susceptibles d'évoluer dans des directions moins problématiques pour l'avenir du monde. C'est ça un petit peu le sujet. Hein. Parce que, voilà, on peut dire là qu'il y a carrément une erreur de paramétrage de la civilisation occidentale, du logiciel occidental. Il y a une erreur de paramétrage, on le voit bien depuis aujourd'hui, il faut se le dire comme ça. Le message, je ne sais pas si c'est un message politique, en tout cas c'est un message philosophique, il me semble que sauf erreur, on voit plusieurs impasses en même temps, et il faudrait être un petit peu naïf et fou pour se dire que c'est pas grave, qu'on peut continuer comme ça. Il faut avoir confiance parce que les derniers siècles nous donnent de bonnes raisons d'avoir confiance. Je ne crois pas, sauf si je me trompe. C'est là qu'il faut venir deux secondes sur le concept d'anthropocène parce qu'il est intéressant. Déjà, comme l'a rappelé Denis, il est né, le mot a été prononcé pour la première fois le 17 février de l'an 2000, c'est donc il n'y a pas trop longtemps, dans un colloque de géologie. Alors, je vais vous lire, c'est dans la page 31 de mon livre, là je vous lis un petit peu parce que je crois qu'en une dizaine de lignes, je résume bien un petit peu ce dont on va avoir besoin ce soir pour prolonger la discussion. Ce qu'il nous apprend, l'Anthropocène, c'est que c'est bien l'humanité, alors bien sûr les plus grands acteurs de la mondialisation plus que les autres, les grands dirigeants plus que les autres, mais c'est bien l'humanité, avec ses 7 milliards d'individus et son industrie surpuissante qui est devenue la principale force géologique de la Terre. Le réchauffement climatique, les pertes en biodiversité, la déforestation, l'acidification des océans, les extractions massives d'énergie et de matière nécessaires à l'assouvissement des besoins d'une civilisation consumériste qui se mondialise, les rejets non recyclables de cette civilisation, trois petits points, tout cela contribue à faire de l'homme et de son industrie le plus important facteur d'évolution des équilibres de la biosphère. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne veut rien dire d'autre, hein, l'anthropocène. C'est qu'on est devenu si nombreux et si puissants que, oui, c'est nous, quand je dis nous, on va revenir dessus tout à l'heure, qui sommes le principal facteur qui va déterminer les équilibres de la biosphère et même nous faire sortir de l'ère géologique de l'Holocène. J'y reviendrai. Au cours des trois derniers siècles, la population, comprenez bien ça, c'est quand même très important. Au cours des trois derniers siècles, la population a été multipliée par 10, le nombre de têtes de bétail domestiques a progressé dans les mêmes proportions, la part des sols exploités est passée de 5 à 80%, nous épuisons en quelques générations des réserves fossiles accumulées sur des millénaires, le relâchement de CO2 dans l'atmosphère par la combustion de charbon et de pétrole est devenu deux fois supérieur à toutes les émissions naturelles. Plus de la moitié des quantités d'eau douce est utilisée par l'humanité. On parle de notre entrée dans la 6e extinction des espèces depuis l'apparition de la vie sur Terre. 6e. Celle d'avant, c'était les dinosaures. Vous avez vu à quel point ça a modifié, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a modifié complètement le tissu du vivant sur toute la surface du globe. Vous ne vous rappelez plus. Avec un taux de disparition aujourd'hui des espèces qui serait de plusieurs centaines de fois supérieur au taux normal de rotation des espèces. Donc, encore autre notion importante, plusieurs des services rendus par la Terre à l'humanité seraient en voie de ralentissement.
capture du carbone, pollinisation, protection de contre l'érosion, régulation climatique, régulation des circuits hydrauliques. En 2016, vous l'avez lu dans les journaux, l'humanité avait prélevé sur la planète, dès le 8 août de l'année 2016, l'ensemble des ressources reconstituables sur une année pleine. Je crois qu'en 2017, parce que le livre a été publié après, 2007, je crois que c'est le 3 août. On avance d'une semaine par an comme ça. Avec l'Anthropocène, une chose devient évidente, nous franchissons des seuils, des points de retournement, les choses évoluent de façon excessivement rapide et nous peinons à comprendre comment réagir à cette prise de conscience. Voilà. Donc, on le voit, c'est une question importante. On est une civilisation qui va dans des directions qui remettent en cause le... En fait, ce n'est pas une crise. L'Anthropocène, ce n'est pas une crise. C'est un nouvel état de la planète. C'est un nouvel état de la planète. Ce n'est pas une petite crise dans laquelle on pourrait se dire « Tiens, on va débrancher tous les compteurs, on va s'arrêter un peu et ça va se calmer. » Non, on est parti dans des directions qui dessinent un nouvel état de la planète. Alors, et si on essaye de mettre des mots dessus, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait une fragilisation de l'écoumène terrestre. L'écoumène terrestre, c'est cette fine pellicule autour du globe qui fait quelques dizaines de mètres en sous-sol et qui fait quelques centaines de mètres dans l'atmosphère, d'accord ? C'est cette fine pellicule-là qui est en train d'être modifiée par l'action de l'homme dans des proportions importantes et qui va nous faire sortir de l'Holocène. L'Holocène, c'était une période qui a duré une petite, aujourd'hui, une douzaine de milliers d'années, 12 000 ans, depuis le dernier dégel, et qui s'est retrouvé, il faut bien le comprendre, avec un équilibre entre c'était des conditions géologiques et biologiques extrêmement favorables au développement du vivant. D'accord ? Nous sommes en train de clôturer cette période-là, et ça risque de poser des problèmes, ça en pose déjà à toutes les espèces, et ça risque d'en poser à tous les vertébrés. Il se pourrait très bien que la vie des vertébrés, donc les hommes, se trouvent gravement menacés dans un avenir. Alors je vous parlais du thème de la fin du monde, ce qui est aussi de très particulier, je le vois aujourd'hui, c'est qu'on parle en décennies ou en siècles, là où on parlait en millénaires, voici quelques années. Voilà. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas le choix. Ça doit être un déclic pour reconsidérer ce que peut être le progrès. On ne peut plus tellement parler de progrès quand on voit venir des impasses stratégiques avec autant de force, avec autant d'évidence. Donc, il faut reconsidérer le progrès. Il faut se demander... on est obligé de reconsidérer le progrès. De mon point de vue, on ne peut pas simplement freiner, on ne peut pas simplement décroître, on ne peut pas simplement interdire l'innovation. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une civilisation qui a besoin d'un avenir prometteur pour fonctionner. Je crois, on pourra en discuter. Là, on commence à rentrer dans les interprétations peut-être individuelles que je fais. Je crois que c'est Emmanuel Levinas ou Paul Ricoeur qui avait eu cette formule-là, que je trouve très frappante. C'est « nous autres, occidentaux », mais ça vaut pour la planète entière maintenant, ne pouvons plus faire l'économie d'un avenir prometteur. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je ne crois pas qu'on peut... On n'est plus du tout câblé, il me semble, que la rationalité occidentale ne peut plus fonctionner avec un avenir qui ne soit pas prometteur. Mon idée, c'est de voir qu'est-ce qui peut rester prometteur, même quand on se désillusionne sur les facilités offertes par le progrès tel qu'on le considère aujourd'hui. Donc il y a un effet de sidération, hein, et je crois qu'on peut dire que l'Anthropocène, pour paraphraser Kant avait dit à propos de Hume que Kant l'avait réveillé de son sommeil dogmatique. Eh bien, je pourrais dire que l'Anthropocène doit nous réveiller de notre sommeil progressiste. La paraphrase est un petit peu facile. On pourrait dire que l'Anthropocène est la quatrième gifle que l'humanité se donne à elle-même. Vous savez qu'il y a eu c'est une expression de Freud, hein, en 1919. La première gifle, c'est quand Copernic et Galilée ont démontré que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était l'inverse. C'était une sorte de gifle au sens où ça nous remettait un petit peu à la périphérie du monde et non plus au centre. Il y a eu la gifle de Darwin qui a montré avec l'évolution des espèces que l'homme n'était pas une création depuis 6500 ans, mais qu'il était le résultat d'une évolution un petit peu au hasard. La troisième gifle, c'était Freud qui dit qu'il mettait à jour que l'inconscient avait un rôle très important dans l'ensemble des activités humaines. On pouvait parler de raison, de logique, de mathématiques, mais en fait, c'est surtout l'inconscient qui déterminait un petit peu
dire, l'orientation des principales actions humaines, on pourrait dire que l'anthropocène est une quatrième gifle, au sens où l'anthropocène nous explique que si on continue à faire ce que l'on fait aujourd'hui, on est en train de creuser la tombe de notre propre civilisation. Et donc c'est en ça que c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant pourquoi? Parce que l'anthropocène, ça nous oblige un petit peu à fédérer et à consolider toutes les craintes que nous pouvions avoir, chacun dans sa discipline. L'anthropocène a quelque chose d'un petit peu formidable et sur lequel je crois qu'on peut essayer de rebondir, c'est qu'il oblige à mettre tous les problèmes sur la table. Il serait fou de vouloir résoudre des problèmes de pétrole tout seul dans leur coin en ignorant les questions liées à l'intelligence artificielle ou liées à la mondialisation et à la logistique qui l'accompagne ou à l'extractivisme. Là, l'anthropocène, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il nous oblige à mettre tout sur la table. Tout sur la table. Et du coup, si vous le voulez bien, je voudrais essayons de caractériser qu'est-ce que ça fait comme particularité. Donc c'est un peu angoissant, c'est un concept carrément angoissant, on peut le dire, mais voilà. Qu'est-ce que ça a particulier par rapport aux grandes conceptions du futur telles que l'humanité a pu les connaître depuis sa naissance, depuis qu'on en a des traces, depuis le début de l'Holocène, par exemple. D'accord ? Alors, quand je fais des exposés sur ce sujet-là, pendant trois quarts d'heure, une heure, je découpe ces étapes en 14 marches d'escalier. Là, pour les besoins de cette conférence, je voudrais résumer la question. Je vais dire qu'il y a eu quatre grandes façons de concevoir l'avenir, tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. La première, depuis l'Holocène, depuis l'Antiquité, jusqu'à l'invention des monothéismes, les trois grands monothéismes apparus sur la planète aux alentours de moins 1000 avant Jésus-Christ, là, il y a eu une conception du futur bien particulière, le futur n'existait pas. À ce moment-là, on peut se dire que c'est le rythme circadien, c'est le jour, la nuit, c'est les saisons qui rythmaient la totalité des activités humaines. Le futur n'existait pas au sens où c'était pas, il n'y avait pas une dimension du temps dans laquelle on essayait de se projeter pour construire quoi que ce soit. Certainement que mon raisonnement est un peu rapide parce que l'invention de l'agriculture, la sédentarisation, l'invention de la domestication vers 7000-8000 avant Jésus-Christ, l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ, on peut commencer à penser que c'était des façons un petit peu de mettre des pieds dans le temps. Mais le temps, la flèche du temps n'avait pas été inventée avant les monothéismes. Notamment le monothéisme juif, qui introduit une rupture assez importante qui va durer jusqu'à 1800. Le monothéisme juif c'est l'introduction d'une promesse. C'est l'introduction d'une promesse faite par un Dieu unique et qui va conduire à organiser avec des commandements, avec des « tu dois, tu ne dois pas », avec un jugement dernier, avec un avenir, un salut qui sera autorisé à ceux qui ont respecté la loi et un enfer pour les autres. Donc il y a une dimension temporelle là qui commence à naître. On peut même commencer à organiser sa vie sur Terre en fonction d'un salut espéré après la mort. Donc c'est l'invention de la flèche du temps. Et là c'est un changement très important. Je suis en train de bosser là-dessus en ce moment parce que je trouve que il y a eu, le monde s'est mis en marche là. Le monde s'est mis en marche avec les monothéismes dans des proportions importantes par rapport à ce qui avait pu se passer avant. D'ailleurs, c'est l'introduction, je vous disais, d'une promesse. L'introduction d'une promesse faite aux hommes et qui va les mettre en mouvement. Si on recule, vu d'aujourd'hui, c'est peut-être même plus important que l'invention du logos en Grèce ou de la politique en Grèce. C'est peut-être aussi important que l'invention du droit dans l'Empire romain. Cette histoire de promesse aujourd'hui, quand on dit qu'on est judéo-chrétien, quand on dit, ben je crois qu'on dépend encore plus de cette promesse, ou largement autant, que de l'invention de la vérité en Grèce, de l'invention de la politique. Voilà. Donc, la flèche du temps a été une façon de mettre les sociétés, le monde en branle dans des proportions significativement importantes. Donc le futur a commencé à exister, mais jusque la Renaissance, jusqu'aux Lumières, c'était un futur vécu sous forme d'une fatalité. Des commandements étaient donnés, l'homme ne pouvait rien construire là-dedans. Il ne pouvait qu'essayer de se mettre à l'abri du châtiment dernier. Donc le futur existe, oui, on doit se comporter en fonction de commandements et en fonction d'une promesse, mais le futur est vu comme une fatalité.
ce qui va changer un peu avec la Renaissance, mais surtout avec les Lumières. Et là, j'arrive à la troisième conception du temps. À partir des Lumières, il y a eu cristallisation, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, cristallisation d'un nouveau projet de civilisation. Tout comme il pourrait y avoir cristallisation aujourd'hui d'un nouveau projet de civilisation adapté à l'ère de l'Anthropocène. C'est pour ça que je reviendrai dessus. En fait, c'est la plus grande façon de... La meilleure façon de garder espoir face aux perspectives, problématiques dont on a parlé au début, le plus grand espoir, je pense, de pouvoir trouver une façon de vie durable à l'ère de l'Anthropocène, c'est d'envisager qu'il pourrait se passer aujourd'hui ce qu'il s'est passé aux Lumières. Lumières, réfléchissons. Réfléchissons ce qui s'est passé. Il y a eu cristallisation de plusieurs aspirations humaines qui avaient évolué. Depuis l'invention du monothéisme jusqu'à la Renaissance, jusque vers 1750-1800, là il y a eu cristallisation à la fois. Je voudrais résumer d'une façon un petit peu simplifiée, que je résume dans les pages d'introduction du livre. Il y a eu cristallisation de ces trois aspirations que sont l'idée que le savoir pouvait être un pouvoir et pouvait aider l'homme dans sa compréhension du monde et dans la façon dont il pouvait aménager sa vie dans ce monde. Donc le savoir est devenu un pouvoir. Il s'est agi d'essayer de faire reculer l'ignorance, parce qu'en avançant toutes les zones dans lesquelles on pouvait faire des découvertes scientifiques ou accumuler du savoir, on avait de meilleures chances de se débrouiller dans la vie. Deuxièmement, l'idée aussi que, parce qu'on sortait de plusieurs périodes de crise, de famine, de pauvreté, que la pauvreté, on pouvait lutter contre la pauvreté, on pouvait essayer avec la propriété individuelle, avec l'industrie décente, on pouvait essayer d'avoir un modèle d'accumulation de richesses et de consommation qui représentait aussi une façon de se mettre à l'abri des difficultés de la vie nue, comme on disait. Donc c'est la naissance de l'économie. Et enfin, il y a eu cette idée de la naissance de la personne, une naissance de la personne individuelle. Avant les Lumières, l'histoire des hommes, à part des dieux ou à part des demi-dieux qui étaient les empereurs, n'intéressait personne. L'homme n'existait pas. Il n'y a que les collectifs, les églises, les états, les armées qui existaient. À partir des Lumières, c'est cette idée que l'homme peut exister, peut mériter du respect. La personne humaine peut commencer à essayer d'acquérir des droits. La notion de droit individuel, puis de droit de l'homme ensuite, a commencé à naître. Et les Lumières, qu'est-ce que c'est? C'est la cristallisation de ces trois grandes aspirations-là. Des philosophes ont compris ces aspirations, comme aujourd'hui il faudrait peut-être que certains comprennent les aspirations d'un monde à l'ère de l'Anthropocène. Ils ont compris ça. Avec les utopies naissantes à l'époque des années 1500-1600, ils ont su dessiner un projet de société dans lequel on allait pouvoir commencer à construire l'avenir. La grande invention des Lumières, c'est cette idée qu'on pouvait regarder devant et ne plus regarder derrière. Jusqu'à l'époque des Lumières, ce qui vous aidait à arbitrer, ce qui structurait la réflexion et les valeurs, c'était le respect des ancêtres et du passé. C'était la crainte de la chute, la crainte du retour en arrière. À partir des Lumières, c'est la notion de projet, c'est l'avenir qui a tiré l'humanité. Le futur existe déjà, mais il n'est plus peut-être une fatalité. On peut mettre les mains dans ce futur, on peut le construire. Le futur peut résulter d'une construction humaine. Déjà à titre individuel ou familial, on peut essayer de se débrouiller en fonction de projets, et à titre collectif, ça c'est plutôt à partir des années 1800, avec les idéologies, les utopies sociales, les idéologies, on peut commencer collectivement même à construire le monde. D'accord ? C'est la troisième grande façon de concevoir l'avenir. Et je pense, je trouve, mais on pourra en discuter, que cette façon d'envisager l'avenir avec un grand positivisme est mort vers les années 1980. À partir des années 1980, je crois que c'est là que, déjà au milieu de la Seconde Guerre mondiale, avec les totalitarismes, avec le fascisme, avec la Shoah, on avait, avec la bombe atomique, on avait eu de sérieux doutes sur le sens de l'histoire, au sens où on commençait à se poser des questions sur l'endroit où ça pouvait nous mener. Mais là, à partir des années 1980, il s'est passé une rupture, je trouve, assez forte,
une cassure assez forte parce que là, qu'est-ce qui s'est passé en 1980? Ça, c'est mon livre précédent, c'est les Reaganomics, c'est le néolibéralisme qui a évacué le politique des grandes orientations qui étaient prises par les principaux acteurs de la civilisation occidentale. On est sorti de l'ère du politique, si vous voulez. On est sorti de l'ère du politique. Jusqu'en 1980, on peut dire qu'il y avait un subconscient égalitaire, où il y avait un subconscient humaniste dans la conduite des affaires du monde. Je crois que, un peu officiellement, avec les Reaganomics, avec Margaret Thatcher en 1979 en Angleterre, avec Ronald Reagan en 1980, puis ensuite ce qui s'est passé un petit peu partout, il s'est passé un coup d'État, moi qui suis financier, je connais bien la question, il s'est passé un coup d'État mondial terrible dans la compréhension de ce qu'était la valeur. La valeur financière, la valeur économique est devenue une valeur financière qui doit aller en direction des propriétaires et des entreprises, du capital, disons. C'est ça qui doit devenir le critère l'origine des critères de décision. Et couplé à ça, avec le fait qu'en 1979, cette année-là, je ne m'intéressais pas à ça à l'époque, mais il est sorti des livres très importants en 1979, pour lesquels on n'a encore pas trouvé de réponse vraiment aujourd'hui. Il y a eu le principe responsabilité de Hans Jonas, qui pose carrément des questions sur je crois que le sous-titre c'est « Recherche d'une éthique pour une civilisation technologique ». Et donc Hans Jonas a été à l'origine des réflexions écologiques, on en parlera sûrement, vous le savez peut-être même mieux que moi, et aussi à l'origine du principe de précaution, c'est-à-dire ne pas utiliser les progrès scientifiques n'importe comment. Il y a eu aussi un autre livre sur lequel je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de travaux, parce qu'il est toujours aussi central à mon avis. C'est le livre de Georgescu Rogan qui oblige à poser la question, à faire le lien entre entropie, économie et croissance ou décroissance. Cette question-là est fondamentale, tout le monde tourne autour, mais je veux dire, elle n'est pas... Voilà. Autre livre important, c'est celui de James Lovelock, qui est l'hypothèse Gaïa, qui le premier, la première fois, c'est très critiqué, hein. Je ne vais pas aller sur le terrain scientifique parce que je ne suis pas capable, mais en tout cas, il a envisagé le globe terrestre, c'est un petit peu... Après qu'on soit revenu avec des photos de l'espace des premières missions Apollo, c'est le premier qui a émis l'idée que la Terre, la biosphère, pouvait avoir besoin d'être régulée sous forme d'une homéostasie, qu'il y avait des équilibres, c'est une affaire d'équilibre et qu'on ne pouvait peut-être pas faire tout à fait n'importe quoi. En même temps, il y a eu aussi, en 1979, c'est Jean-François Liotard, la fin des grands récits, la condition post-moderne, qui a mis sur la table le fait que il y avait disparition dans l'Occident de tous les grands récits, de toutes les grandes utopies qui avaient été motrices jusque-là, et qu'il n'en restait plus qu'une, presque par défaut, on peut dire. C'est des marchés financiers qui fonctionnent, on va dire, par défaut. Et couplé à ça aussi, je trouve que c'était intéressant, mais en France, c'était l'époque où Michel Foucault faisait ses cours sur la biopolitique. Et personnellement, je trouve que c'était intéressant. Voilà. Voilà donc où nous en sommes avec... une dizaine de minutes. Alors j'essaye donc, dans ces 10 minutes qui restent, de vous dire, quand on essaye de regarder l'avenir et le progrès avec autant de réalisme, peut-être même on peut dire de pessimisme, c'est pas le terme, il faut aussi se demander donc qu'est-ce qui pourrait être sujet à permettre un virage, à permettre une nouvelle cristallisation. En fait, je crois qu'il faudrait qu'il se passe dans les années 2020-2030 un genre de cristallisation comme le progrès avait su mettre en branle tout le monde occidental dans une certaine direction. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui puisse naître. Or, ce n'est pas les idées qui manquent. Si on réfléchit bien, ça c'est le livre que j'avais écrit avant, hein, de nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs, si on réfléchit bien, il y a quand même déjà de nombreux signes que des alternatives sont possibles. Je vais essayer de les énumérer, si vous voulez. Et quand on les met une à côté de l'autre, on s'aperçoit que ça pourrait représenter un matériau peut-être pas suffisant, mais pas loin d'être suffisant, en tout cas déjà très consistant pour envisager un nouveau modèle de civilisation, une nouvelle formule du progrès. Bon, vous avez déjà le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un dispositif qui oblige les scientifiques et les industriels, avant de mettre sur le marché
de réfléchir et de passer des étapes de validation lorsque on a le sentiment que leurs travaux pourraient comporter des risques pour l'avenir, soit du vivant, soit de la santé. Voilà. Vous savez, il y a les autorisations de mise sur le marché, il y a les précautions qu'on doit prendre avant d'utiliser des médicaments. Le principe de précaution, c'est tout nouveau, hein. Ça n'existait pas jusque dans les années 70, ça a commencé à naître dans les années 1990, avec la mission Kurilski en France. La France a eu un rôle important, hein. Et donc c'est maintenant, ça s'est traduit en droit, pour la France, voire même pour l'Europe. Donc le principe de précaution, c'est la preuve quand même que la société, mine de rien, est capable de réfléchir un petit peu et de voir que de temps en temps, elle doit mettre des freins à ses propres pouvoirs, hein, premièrement. Il y a eu aussi, dans le même ordre d'idée, le développement durable. Le rapport du Club de Rome, le premier qui a alerté le monde entier sur le fait que la civilisation occidentale pouvait entraîner la planète dans des impasses stratégiques, date de 1971, la première édition. Rapidement ensuite, avec avec les mouvements alternatifs, est née l'idée, notamment avec le rapport Brundtland de 1987, que le développement durable pouvait être un sujet qui devait commencer à retenir l'attention. On ne peut pas se développer n'importe comment, parce que ce développement ne sera pas durable. Donc est né le développement durable, qui est devenu un sujet, un sujet reconnu. Je l'explique largement dans mon bouquin, que ce n'est pas du tout un filet de sécurité suffisant pour qu'on puisse continuer à laisser faire les entreprises comme elles font. Mais enfin, c'est quand même le signe qu'en une trentaine d'années, ce concept a réussi à s'imposer dans le langage et dans la culture. Il y a également tout ce qu'on peut ranger sous le sigle de RSE, la responsabilité sociale et environnementale, ou la responsabilité sociale des entreprises. C'est finalement les entreprises qui ont accepté de penser à un moment qu'elles n'avaient pas que des droits, qu'elles pouvaient aussi avoir des devoirs, presque politiques, j'ai envie de dire. Elles ne reconnaissent pas qu'elles ont des devoirs politiques, mais enfin, en reconnaissant qu'elles ont besoin de se doter de déontologie et de chartes de comportement, c'est une façon déjà de prendre conscience qu'il y a besoin d'encadrement, d'une façon ou d'une autre, pour gérer les immenses pouvoirs qu'elles ont acquis sur les dernières années. Il y a ensuite toute l'écologie politique. L'écologie politique, qui n'est pas très vieille, mais en très peu de temps, cette idée a quand même réussi à s'imposer dans le paysage et à devenir objet de réflexion. La décroissance, il me semble, est née dans les années, le terme est né dans les années, alors avec Jean-Jacques Hogan, mais il a pris de l'importance avec Gilbert, Serge Latouche, c'est au début des années 2000, et mine de rien, c'est un sujet qui est plus ou moins pris au sérieux. J'ai du mal à penser qu'on puisse uniquement avoir comme objet de décroître, mais enfin, il pose bien la question, il pose bien le diagnostic. Et les livres, le filon de la décroissance, sont tous, je trouve, très pertinents. Hein. Ils ont plus de mal à imaginer qu'est-ce que pourrait être un progrès demain, mais en tout cas, en termes de diagnostic, il pose bien le problème. Il y a tout ce qu'on appelle aussi les initiatives citoyennes. Il y a de par le monde de nombreux groupes, de nombreux individus, de nombreux mouvements qui naissent spontanément, sans même avoir une philosophie mondiale d'ensemble et une vision du progrès. Mais enfin, il voit bien que les directions dans lesquelles on est aujourd'hui sont problématiques. Et il y a de nombreuses initiatives, tout ce qu'on appelle des initiatives citoyennes, qui témoignent déjà d'un ciment, d'une préoccupation, répartis sur l'ensemble du globe, et ce sont des forces qui ne demandent qu'à s'accroître, je crois. Il y a aussi des concepts nouveaux, les concepts d'humanité. Le concept d'humanité, c'est tout nouveau, le concept d'humanité. Il commence à avoir une consistance juridique. Il y a des livres d'Alain Supiot, de Mireille Delmas-Marty, qui vous expliquent ça, que mine de rien, il y a quand même une progression dans la façon de pouvoir porter l'humanité, la notion d'humanité comme un sujet de droit. Il y a les communs dont vous entendez parler, la création des communs, c'est tout nouveau aussi, mais si ça ressort dans d'aussi nombreuses réflexions, c'est que ça commence à représenter le fait de fabriquer des communs et de ne pas les consommer, de ne pas les détruire, commence à devenir une préoccupation intéressante.
Mais alors, ça pose problème dans le monde de l'entreprise. Par exemple, je faisais une conférence il n'y a pas longtemps dans un think tank sur le big data et l'intelligence artificielle, où j'ai émis l'idée que les algorithmes pourraient être considérés comme des biens communs. J'ai failli me faire mettre à la porte illico, vous comprenez? Bon, ça commence à faire sens, mais c'est très très loin de pouvoir s'imposer dans le monde de l'entreprise de cette façon-là. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Cosmopolitisme, il y a de nombreux philosophes qui réfléchissent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le cosmopolitisme? Eh bien, je vous ai parlé du G100. Il y a une centaine d'acteurs, et il y en a certainement plus même, qui commencent à avoir un rayon d'action à l'échelle de la planète. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune instance internationale qui soit capable de gouverner tout ça. Et le cosmopolitisme, c'est un ensemble de réflexions qui voudrait doter le monde d'outils juridiques à la mesure de la planète. Il y a aussi toutes les nouvelles technologies, quand j'essaie de mettre sur la table tout ce qui pourrait permettre la création d'un monde nouveau. Les nouvelles technologies, dans un sens, ça représente quand même une capacité de prendre des décisions avec une rapidité et une envergure comme on ne l'avait jamais connue auparavant. Donc elles ne sont pas obligées d'être utilisées uniquement pour faire le mal, elles pourraient être utilisées pour construire quelque chose. Il y a aussi le GIEC, par exemple. C'est un autre exemple, le GIEC, Groupe Intergouvernemental d'études sur le climat. Voici un exemple qui peut être largement critiqué. Mais le GIEC a été créé comme agence de l'ONU en 1988, c'est-à-dire il y a 30 ans, avec un sujet que personne ne comprenait, le réchauffement climatique. On peut dire que pendant 30 ans, ils ont eu des difficultés, mais voici quand même le premier exemple d'un travail planétaire dirigé, on ne peut pas dire, je crois, qu'il soit dirigé par quelqu'un. Il n'y a pas trop de lobby qui a la main sur l'ensemble du GIEC, je crois. C'est le premier exemple d'un travail réellement planétaire fait par des scientifiques, des économistes et des hommes politiques ensemble pour parler d'un sujet. Avec beaucoup d'imperfections, l'existence du GIEC ne suffit pas pour ralentir le réchauffement climatique, mais au moins ce qu'on peut dire, c'est que sur les 5, 6, 7, 8 dernières années, il a mis la planète d'accord sur le fait que le réchauffement climatique était un problème. C'est énorme, si vous voulez bien y réfléchir. C'est énorme. Ça ne suffit pas, comme je le disais, pour refroidir la planète, mais c'est quand même énorme d'avoir en 30 ans réussi à faire d'un sujet, d'une préoccupation mondiale, un sujet de discussion à propos duquel on parvient à s'organiser. Voilà. Il y a aussi d'autres, par exemple, je le disais dans un livre édité par Utopia de Escobar, que quelque part en Colombie, la terre-mère, la Pachamama, il l'appelle, je crois, a réussi à s'introduire dans le droit de ce pays et peut faire l'objet d'un recours juridique. Par exemple, si vous estimez que telle ou telle action d'une entreprise peut porter atteinte à la pérennité ou à la durabilité ou à la soutenabilité de la terre-mère en question, vous pouvez aller frapper un tribunal et on vous écoutera. Donc c'est des choses quand même un petit peu importantes. Alors voilà, si j'essaye de... Je dois terminer, hein, je crois bientôt. J'essaye de terminer. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais une chose un petit peu surprenante, mais il faut se le dire comme ça. En fait, l'innovation, le développement et l'autonomie individuelle, qui sont les trois aspirations qui avaient été perçues à l'époque des Lumières comme pouvant aider l'homme dans sa vie de tous les jours et dans sa vie individuelle et collective, eh bien je pense qu'on doit les remettre en question aujourd'hui. On ne peut plus considérer l'innovation, le développement et la recherche d'autonomie et la recherche de droits individuels comme étant des objectifs encore valables aujourd'hui. Ils ne sont plus valables au sens où ils conduisent à des impasses stratégiques, possiblement mortelles pour l'avenir de l'humanité. Donc, on ne peut pas changer ça comme ça. Parmi le G100 dont je vous ai parlé, tous, je pense tous, sans aucune exception, pensent que l'innovation sauvera le monde, ou la croissance sauvera le monde, ou l'accroissement des droits individuels sauvera le monde. C'est une erreur stratégique manifeste, énorme, énorme. C'est là qu'il faudrait de nouveaux penseurs, comme à l'époque des Lumières, pour rebattre ces cartes-là. Je peux vous dire, pour connaître bien les entreprises, que toutes, sans aucune exception, celles que je connaisse, pensent que l'innovation est forcément positive, pensent que la croissance est forcément positive, pensent que... Regardez,
Innover pour se développer et partager les fruits de ce développement, c'est presque même la définition de l'humanisme, si on veut bien y réfléchir. C'est le fond de pensée de tous les acteurs, sans exception, et y compris peut-être même les ONG. D'accord ? Et ça pose un énorme problème. Je crois que l'innovation, la croissance et la recherche de droits ne peuvent plus être le fond de pensée de l'humanisme et de la stratégie des principaux acteurs de la planète. Et je vous propose de réfléchir à l'idée que, à la place de l'innovation, il faudrait plutôt réfléchir à une éthique de la transformation. L'homme, de toute façon, modifie le monde bien avant même l'Anthropocène, depuis toujours. Il faudrait se le dire, arrêter de concevoir l'homme et le monde comme de substances opposées. Il ne s'agit plus du tout, je pense que c'est hors de propos, d'essayer de devenir comme maître et possesseur de la nature, parce qu'aujourd'hui, on ne s'en apercevait pas avant, mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Ça devient tellement évident qu'il faut se le dire comme ça. Du point de vue économique, il faut sortir d'une sorte de métaphysique de l'exploitation du globe pour aller, non pas unique, je ne dirais pas décroissance, mais on pourra en discuter certainement, mais vers une économie régénérative. On ne peut pas faire l'économie, je disais, d'un avenir prometteur. Donc je crois plutôt qu'il faut essayer de mettre tous les œufs dans le même panier et d'essayer d'envisager plutôt une économie régénérative qui nous obligera à décroître dans certaines zones d'activité et qui laissera la porte ouverte à une sorte d'émancipation dans l'autre. Passer donc d'une politique économique d'exploitation du globe. Parce que je vous invite à lire, si vous ne les connaissez pas déjà, les livres de Pierre Legendre et de Pierre Musso à ce sujet. La religion industrielle, nous sommes dans une véritable religion industrielle, il faut se le dire comme ça. Et du point de vue politique, il faudrait passer d'une vision, d'une recherche d'autonomie individuelle, d'accroissement des droits, vers ce que j'appelle la responsabilité prospective, sur laquelle j'ai pas mal de développement. Je crois que dans mes 4 livres, je dois avoir un chapitre autour de cette notion de responsabilité prospective. J'ai l'impression qu'il y a là quelque chose de puissant, même si ce n'est pas facile à exprimer. Parce que, comme le dit Marcel Gauchet, finalement, une recherche d'accroissement de droits individuels, ça ne fonctionne plus. On s'en aperçoit aujourd'hui. Avoir une planète avec 8 milliards d'individus qui veulent de plus en plus de droits, ça ne permet pas de faire une société qui fonctionne. À l'époque des lobbies, de l'intelligence artificielle, de la réticulation planétaire, des télécommunications instantanées, ça ne permet pas de faire une société. On va vers 8 milliards de monades individuelles qui vont chacune vers l'isolement. Ça ne permet pas de faire société. Et donc je crois qu'il faut remettre, ça sur la table. Et donc je dirais pour terminer qu'il faut passer, il faudrait passer, c'est un philosophe qui essaye de s'exprimer là-dessus, d'une foi dans le progrès, qui n'était questionnée par personne, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, par aucun des 100 plus gros acteurs de la mondialisation, à ce que j'appelle une stratégie de l'espérance. Une stratégie de l'espérance qui essayerait d'articuler les 3 leviers dont je viens de vous parler pour redessiner une façon de pouvoir viser toujours l'émancipation sans passer par la destruction du globe en même temps. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci pour ce panorama effectivement très très large, que ce soit au niveau des diagnostics, donc j'imagine que beaucoup sur ce diagnostic partagent. Après, les pistes, bon, certaines, comme le développement durable, on a vu un peu ce que ça pouvait être. Alors, je vais passer la parole à Lucille. Donc, tu as dit qu'on était sorti de l'ère du bolide, qu'on était sorti de l'Anthropocène. Est-ce qu'on est vraiment sorti de l'ère du politique en 80, quoi, avec la montée du néolibéralisme, où l'économie et les entreprises ont pris effectivement le pas sur le monde politique, et puis voilà comment réagir à toute cette grande masse d'informations et de pistes que Jean-François a évoquées. Oui, merci beaucoup Denis. Moi, j'ai lu le dernier livre, donc, puisque vous en avez écrit apparemment beaucoup, de Jean-François, donc La tyrannie du court terme. Et je vous incite tous à le lire, bien sûr. Ce qui m'a frappé, et d'ailleurs je retrouvais ça dans votre exposé, c'est que vous abordez ce sujet de la tyrannie du court terme en prospectiviste. Donc, moi je fais de la prospective à titre professionnel
dans un organisme qui s'appelait encore le Commissariat Général au Plan et qui depuis a été renommé parce que la question de la tyrannie du court terme fait aussi qu'on supprime des choses qui s'appellent Commissariat Général au Plan en disant qu'au fond ça évoque le stalinisme alors que ça peut juste évoquer la planification ou la programmation et la pensée du futur. Et en tout cas, ce qui est intéressant lorsqu'un prospectiviste s'intéresse à ces questions de projet du futur, c'est que vous y mettez beaucoup de données et vous en parlez dans un vocabulaire qui n'est pas toujours celui, par exemple, de l'écologie politique ou la manière dont on imagine les alternatives au modèle de monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que vous le faites notamment en donnant pas mal d'importance à l'économie et aux entreprises. Vous le faites aussi en évoquant des... À la fois, vous combattez la rationalité et une vision du progrès, comme vous dites, et en même temps, vous l'évoquez parfois dans des termes qui sont ceux dans lesquels parlent les mainstreams. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, et c'est pour ça aussi que j'incite à le lire, parce qu'il y a une manière de démontrer les choses auxquelles on n'est pas toujours habitué lorsqu'on est engagé sur les questions d'écologie politique. Je voudrais questionner certaines manières dont vous avez utilisé des termes, justement, peut-être parce que c'est une confrontation du débat. Lorsque vous parlez de progrès, je crois que vous l'entendez beaucoup comme progrès technique, et il me semble qu'on peut concevoir le progrès dans une vision un peu plus large, où vous l'entendez davantage comme peut-être on l'entend dans le monde, dans l'entreprise, et en même temps vous êtes philosophe, donc vous savez bien que la question du progrès peut être entendue d'une manière qui ne soit pas strictement celle du progrès technique. Il y a certainement à repenser la manière dont on envisage le progrès, en mettant davantage de côté l'histoire de l'innovation technologique, et la façon dont on met en place le progrès au service d'une civilisation du court terme. Mais on doit garder, je pense, ce terme de progrès parce que, quelque part, c'est une manière de dire qu'on peut envisager un monde qui ne soit pas un monde de la catastrophe. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, cette question de la fin du monde, du catastrophisme, ou de ce qui est un peu son pendant, c'est-à-dire de dire qu'au fond, c'est dans l'innovation technologique qu'on pourra éviter le catastrophisme, ce sont deux manières d'envisager le monde. On aimerait en trouver une troisième. Et c'est peut-être ça que vous proposez, d'ailleurs, avec votre totémisation du futur, parce que c'est ça que vous abordez dans votre livre. C'est-à-dire réussir à imaginer un futur qui soit un futur pour l'ensemble de l'humanité, bien sûr, mais associé à la planète, avec l'idée de bien prendre en considération les limites planétaires et le fait que nous sommes dans un monde, nous ne devons plus nous voir comme des thaumaturges. C'est-à-dire que quelque part, alors vous avez beaucoup parlé d'anthropocène, l'anthropocène nous place face à une responsabilité particulière puisque nous sommes devenus un agent géologique. Nous devons aussi concevoir que comme agent géologique, nous avons la responsabilité de faire en sorte que la planète permette à l'humanité de continuer à vivre dans un futur qui est soutenable pour l'ensemble des personnes qui sont sur cette Terre. En général, certaines personnes disent que c'est une manière d'assurer à la nature un futur. On sait très bien que la planète et la nature n'ont pas besoin de l'humanité pour survivre. Et donc c'est évidemment une manière d'assurer notre propre avenir et notre propre futur. Ce que je voulais dire par rapport à l'anthropocène aussi, puisqu'il y a eu une discussion sur de quand date l'anthropocène, quand est-ce que la notion a été émise pour la première fois, c'est que c'est un terme qui est davantage reconnu aujourd'hui en sciences humaines qu'en sciences dures, puisque les géologues n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le fait de savoir si on avait quitté l'Holocène pour entrer dans l'Anthropocène. En revanche, le terme d'Anthropocène est de plus en plus employé, bien qu'il apparaisse assez barbare et au fond assez élitiste par certains aspects. Il y a y compris des discussions entre philosophes sur le moment où aurait commencé l'Anthropocène. Ce n'est pas seulement la révolution industrielle, c'est aussi, il y a des personnes qui disent que c'est quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, parce qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, il y a eu cet affrontement entre civilisation, les Indiens, et notre civilisation importée sur le continent américain. En tout cas, on voit bien l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que, au fond, en devenant un agent géologique puissant et en remettant en cause les équilibres naturels, nous avons créé les possibilités de dérèglement que nous n'avions pas anticipées. Et dans votre livre, ce que vous nous invitez à faire, c'est beaucoup par anticiper, par retrouver cette capacité à faire le lien entre le futur et le présent, et en montrant que aujourd'hui le présent quelque part est dépourvu de sens parce que nous ne pensons plus le futur dans le présent, et quelque part aussi nous oublions également notre histoire. Moi, ce qui m'a semblé important dans votre ouvrage, c'est que vous parlez pas mal de la philosophie des Lumières, et à la fois, vous nous dites qu'il faudrait qu'on revive un moment de lumière, un moment de lumière différent, et vous nous dites aussi que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment pensé, sans doute, les contradictions et les limites de la philosophie des Lumières. Vous l'avez bien dit, ça nous a éveillés, ça a été une sorte de résurrection démocratique, les Lumières, mais sur le plan économique, on n'a pas suffisamment pensé la question des limites de la croissance. On n'a pas imaginé de dissocier ce que pourrait être le progrès technique. Et tout ça
fait que nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à la nécessité de revisiter les Lumières, à la fois dans les apports extrêmement positifs qu'elles nous ont apportés en termes de fonctionnement démocratique et d'avènement des droits, mais en termes économiques, on ne peut pas dire que les Lumières, enfin, je ne sais pas s'il faut faire peser là-dessus, là, sur les Lumières, ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle, mais en tout cas, on peut dire que le mythe de la croissance et du progrès technique viennent aussi de ce moment historique. Je voulais aussi, parce qu'il se trouve que je viens de lire un magnifique roman américain que je vous incite à lire, qui a été édité en 1975 et qui s'appelle Le Gang de la clé à molette. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un roman qui est un peu considéré comme le roman fondateur de l'éco-activisme aux États-Unis, qui est un roman magnifique qui montre un gang, enfin quatre mousquetaires qui au fond remettent en cause l'aménagement du territoire et qui veulent préserver l'Ouest américain, le Grand Canyon, les déserts, les barrages, enfin empêcher les barrages, préserver justement ces communs que sont les forêts, les fleuves, le sable, le paysage, la beauté esthétique. Je voulais quand même revenir sur le fait que on va très loin si on va aux Lumières. Mais si on revient aux années 70, et vous l'avez dit, avec le rapport du Club de Rome, aussi les mobilisations citoyennes, par exemple, pour éviter le nucléaire en France, ou les mobilisations citoyennes aux États-Unis, ou les mobilisations mondiales, à ce moment-là, au moment où il y a le premier choc pétrolier, on peut se dire aussi qu'on a loupé le coche. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on était confronté à une multiplication, je ne sais plus par combien c'était, par 4, je crois, du prix du pétrole et du gaz, et on se retrouve quand même dans un système où on continue à compter sur les énergies fossiles. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, dans les années 70, il n'y a pas eu cette prise de conscience? Il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on vit un moment de cristallisation et de mobilisation citoyenne inédit, sans doute parce que le réchauffement climatique est devenu visible. C'est-à-dire que lorsque Dominique Bourg et Kerry Whiteside écrivent en 2010 l'ouvrage « Démocratie écologique », en disant qu'au fond, c'est plutôt du côté des experts que du côté des citoyens qu'il faut compter sur le fait de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, Dominique Bourg ne dit pas la même chose parce que le réchauffement climatique est devenu visible. Il est moins visible à Paris, évidemment, que si vous habitez sur la côte bordelaise. Mais enfin, l'érosion est là. Ou si vous habitez à Chamonix, vous voyez le glacier qui disparaît. Évidemment, si vous habitez en Afrique ou dans un état insulaire, c'est encore plus visible. Mais en tout cas, le moment dans lequel nous nous trouvons est un moment particulier. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire et aux outils et aux éléments d'encouragement qui existent aujourd'hui dans la transformation du modèle entrepreneurial et économique, on peut trouver aussi dans l'évolution de la société par rapport à ces enjeux de transformation du modèle, peut-être l'élément le plus encourageant. Je dirais que par rapport à la RSE, par rapport à la notion de développement durable, on est aujourd'hui dans une accélération même des concepts et des mobilisations qui me semblent importantes. On parle d'écologie de rupture, on constate aussi que la mobilisation générationnelle est d'autant plus forte que le sentiment d'une injustice, moi j'emploie les termes d'injustice générationnelle, a beaucoup progressé parce que tout simplement, autour par exemple des mobilisations sur la grève scolaire d'adolescents qui n'ont pas la majorité juridique, on voit bien que ce qu'ils disent, mais c'est que quand on a 15 ans, c'est pas la même chose que quand on en a 50, lorsqu'il s'agit d'imaginer comment la vie va se dérouler face à la façon dont nous avons martyrisé la nature. Donc ça, je crois que c'est des points qui sont aussi des éléments. On peut les voir des deux côtés, en fait. On peut se dire que c'est décourageant parce qu'au fond, l'accélération du réchauffement climatique est là, mais on peut trouver là des encouragements sur ces questions de pression pour faire changer le système, parce que comme vous l'avez dit, je ne crois pas que ce soit forcément du côté des grands groupes que les changements vont se passer de l'intérieur. C'est un peu en vrac que je réagis, mais je voulais aussi dire que j'ai été, peut-être que vous ne l'avez pas tous fait, j'ai été regarder le site du Grand Débat National sur les éléments, sur la transition écologique. Je connais la propagande gouvernementale, mais j'ai surtout été regarder les contributions qui ont été postées par beaucoup de citoyens, qui ne sont pas, on ne sait pas très bien qui c'est, mais en tout cas c'est a priori chacun d'entre nous et d'autres. Et j'ai trouvé qu'il y avait là, par rapport par exemple à la manière dont le gouvernement avait présenté les enjeux écologiques, un décalage très fort par rapport aux contributions qui ont été faites, et dans un bon sens. C'est-à-dire que les contributeurs osent se lancer justement sur la modification du modèle, du système, et avoir une audace qui est à la fois philosophique, économique, parfois en partant d'une expérimentation ou de quelque chose qui relève de leur quotidien,
mais notamment pour souligner, vous parliez du principe de précaution ou au fond de la responsabilité des grands groupes, pour souligner combien aujourd'hui on fait peser sur un individu ou des ménages une responsabilité qui relève de la responsabilité économique. C'est quelque chose qui est dit très clairement, et on n'est pas, j'imagine que tous les contributeurs ne sont pas d'affaires gauchistes, c'est quelque chose qui aujourd'hui me semble très répandu au sein de la société, le sentiment que le débat est mal posé et que les acteurs économiques, les grandes entreprises sont particulièrement, je ne sais pas s'il faut dire ciblées, mais en tout cas que leur responsabilité doit être pensée différemment. Et il y a une demande de régulation, par exemple, qui ressort de ces contributions que j'ai trouvées assez intéressantes. Après, je voulais, pas être trop longue, revenir peut-être sur certains des grands débats que je trouve sous-jacents à votre exposé. Le premier, pour moi, c'est évidemment la place à donner aux sciences par rapport au processus démocratique. Comment est-ce qu'on fait ? Vous avez beaucoup insisté, au fond, sur... vous avez parlé du GIEC, on a des éléments d'encouragement. Vous avez montré que, aussi, si on regarde les projets économiques des grands groupes, au fond, ils sont bien au-delà des limites planétaires. Et aujourd'hui, on voit bien que la prise de conscience citoyenne vient aussi beaucoup la manière dont des scientifiques de plus en plus nombreux sortent du rôle objectif du scientifique pour interpeller, pour écrire des tribunes dans la presse. Ils sont 15 000, ils sont, je sais pas, ils sont une grande figure ou deux. Et ça n'aide pas forcément, au-delà de l'alerte, et vous avez insisté sur la question de l'alerte, à imaginer comment est-ce que l'alerte peut être intégrée dans un mode de décision, un processus, une nouvelle façon de prendre le pouvoir. Et donc ça, c'est un sujet qui est devant nous. Est-ce que, moi je dis toujours qu'on n'a pas des institutions qui aujourd'hui garantissent la transformation écologique. Et pendant longtemps, d'une certaine façon, l'écologie d'ailleurs c'était une lutte contre les institutions, en tout cas sur le plan politique. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a peut-être à inscrire dans les institutions, au moment où l'alerte est maximale, cette question d'une transformation, comme vous l'avez évoqué, des manières de voir économiques, des manières de voir et d'agir d'ailleurs, économiques et sociales. Comment est-ce qu'on fait pour inscrire ces faits scientifiques dans les institutions? Comment est-ce qu'on fait pour transformer les institutions et prendre le pouvoir? Je pense que c'est un débat très important. Et d'ailleurs, vous dites vous-même que vous êtes consultant les entreprises, mais quelquefois on a envie de vous mettre dehors, vous gagnez quand même votre vie, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous arrivez à trouver des alliés? Je pense que c'est une question sous-jacente à ce que vous venez de dire. Où sont les alliances? Comment les structurer? Comment faire en sorte de peser, puisqu'il y a urgence? C'est un point qui est important. Est-ce qu'on peut trouver des alliances entre scientifiques, chefs d'entreprise particulièrement motivés? Est-ce qu'il y a une alliance des pionniers ou des alertés qui permettra d'inscrire ça dans une forme de réforme et de transformation profonde? La question des échelles aussi est importante. Vous avez cité dans votre G100 des institutions comme l'OMC, G8, G20, les grands groupes, dont certains représentent plus que le PIB de la Belgique ou de petits États. Cette question des échelles, on voit bien qu'elle est à la fois essentielle, c'est-à-dire qu'on doit agir à toutes les échelles, du très local au plus mondial. Et en même temps, on ne sait pas très bien trouver, justement, puisqu'on agit à toutes les échelles, les modalités de la régulation et de la contrainte. Donc comment est-ce qu'on fait pour organiser cette correspondance, cette interaction entre les échelles, qui en plus doit tenir compte d'un jeu d'acteurs, qui est un jeu d'acteurs hyper compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, comme vous l'avez dit, des acteurs publics, des acteurs privés. Et aujourd'hui, je pense qu'une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est que très souvent, on n'arrive pas à articuler ce qui peut relever du comportement individuel et du comportement collectif. Moi, je suis frappée du fait que, par exemple, quand on discute des questions écologiques, on parle beaucoup des éco-gestes, mais il faut aussi offrir une politique de l'offre écologique, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir disposer d'un réseau de transport public, il y a des investissements à faire en ce sens. Comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on va faire ses courses, se trouver dans une situation où on peut être un citoyen engagé, mais en même temps... pouvoir faire ses courses. Donc on est dans cette situation où la question de l'offre et de la demande sur la transformation du monde me semble être aussi un sujet qui n'est pas du tout rempli, notamment sur la question de l'offre. Autre débat très important que j'ai commencé à aborder, démocratie versus expertise. Qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que lorsqu'on est très engagé en écologie politique,
Vous avez dit d'ailleurs que c'était un élément d'espoir, je crois, dans l'écologie politique. Oui, c'est un élément d'espoir, et en même temps, c'est compliqué, parce que l'écologie, enfin en tout cas les partis politiques qui représentent l'écologie n'ont jamais été majoritaires. Et donc cette question de comment est-ce que les processus démocratiques ne sont pas forcément réductibles aux élections est une question qui est particulièrement posée lorsqu'il s'agit d'inscrire la transformation écologique du modèle. Quels sont les outils à déployer? Est-ce que c'est des pétitions? Est-ce que c'est des modes de pression des consommateurs par rapport aux entreprises? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas réduire les choses au référendum et à l'élection, sans esquiver pour autant les grands enjeux électoraux, parce que c'est aussi là que se font les grands débats, prendre le risque d'être minoritaire ne veut pas dire que les idées ne vont pas progresser. Donc on est vraiment dans un changement culturel. Ce qui me semble aujourd'hui, c'est que sur ces enjeux de changement culturel, la question justement des arts, la question... j'ai créé un prix du roman d'écologie parce que je trouve que c'est très intéressant de voir comment l'aspiration aujourd'hui, notamment chez les jeunes auteurs, est présente et comment certains auteurs, d'ailleurs, qui évoquent les questions écologiques, quelque part ne se voyaient pas comme des auteurs écologiques parce qu'ils pensaient que c'était stricto sensu du militantisme et qu'ils ne pensaient pas que c'était de l'ordre de l'aspiration. Comment, du côté des images, des films, il y a quelque chose qui se passe aussi autour de... du côté déjà de la description de la catastrophe et de ce qui peut nous manquer profondément lorsque certains mondes, notamment sur les océans, auront disparu. Mais aussi, comment est-ce qu'on se sert de ça comme moyen de mobilisation? Donc tous les moyens qui sont à notre disposition pour rendre la démocratie, le lien entre démocratie et transformation du monde, vraiment praticable, ça me semble être un point important, et ne pas réduire les choses à ces moments de consultation électorale qui, au fond, se jouent souvent sur des enjeux de très court terme, alors que, comme vous l'avez dit, il faut totémiser le futur. Je terminerai en disant que, lorsque j'ai fait la prospective, j'ai trouvé que souvent les futurs de la prospective étaient étrangement schématiques. Et que, de même que lorsqu'on lit un résumé du GIEC à l'usage des décideurs, et d'ailleurs quand on a eu la COP21, après on parlait de nouveaux projets de société qu'il fallait mener, on a parlé de projets de société post-COP21. C'était particulièrement peu glamour. Et donc, cette question du futur que vous évoquez, comment est-ce que vous la remplissez d'une chair? Comment vous rendez ce futur réellement... comment vous le rendez un peu charnel, comment vous le rendez émotionnel, comment vous rendez cette transformation du monde sensible? C'est quelque chose qui vraiment est très important, parce que sinon on sera dans des débats d'experts ou dans des débats philosophiques, c'est superbe, mais il faut qu'on remplisse de vitalité cette transformation du monde, et je pense qu'on est confronté réellement à cette difficulté, une vitalité pour lutter contre le sentiment d'angoisse qui parfois nous étreint, comme vous l'avez dit, par rapport à la disparition du monde qui, vous l'avez très bien dit, est aujourd'hui plus ressenti, à travers y compris des angoisses physiques, que ce n'était le cas peut-être, je ne sais pas comment c'était au Moyen-Âge, quand Jérôme Bosch peignait ses tableaux, mais je pense que quelque part la mort, le fait qu'on pouvait se faire trucider, torturer, était beaucoup plus incarné. Mais aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui pèserait au-dessus de nous et qui pourrait nous faire disparaître. On est dans un monde un peu de science-fiction là-dessus. Quand on revient à l'épanouissement de la science-fiction, c'est beaucoup les années 70, bon, aussi les années 40 d'ailleurs. Mais enfin, il y a quelque chose qui pèse sur nous, là, avec, qui est à la fois très abstrait et très menaçant. Et ça, j'aimerais que vous répondiez sur cette question de le prospectiviste, comment rend-il ses futurs... plus sensible, en fait. Voilà. Bien, merci Lucie. Alors, je pense que si on donne tout de suite la parole à Jean-François pour répondre à toutes les questions fondamentales et importantes qu'a posées Lucie, on ne va pas pouvoir ouvrir. En revanche, bon, on les a tous notés. Je ne vais pas non plus moi rajouter, j'avais deux trois petites choses entre Jake et les COPs. C'est un bon exemple effectivement de transformation politique qui marche pas. On va d'ailleurs publier un livre sur ce sujet-là bientôt, entre Jake et les COPs. Voilà. Donc on va, je pense, si ça ne dérange pas, parce que j'imagine que tu as des éléments peut-être de réponse ou des pistes de comment rendre le futur désirable. C'est facile. C'est une piste pas facile, mais on va passer de la crise au désir, c'est bien.
Donc on va laisser la parole à la salle pour poser des questions. Il y a beaucoup de choses à dire. En essayant d'aller dans la chronologie de votre exposé, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais je pense qu'il y a des points stratégiques que vous abordez d'une façon un peu même contradictoire, mais il manque des éléments stratégiques importants. Vous ébauchez des choses qui me paraissent plus importantes que vous ne le laissez présupposer, quoi. Par exemple, vous avez bien la notion de capitalisme, du côté financier, vous l'avez abordé, mais je pense que vous n'en avez pas vraiment fait entrevoir l'importance. Parce que quand on voit le niveau auquel on en est avec les grandes entreprises, effectivement, la politique, vous l'avez bien exposé, mais ça va beaucoup. Vous avez oublié des éléments stratégiques du genre, quand on a commencé à avoir de l'argent fictif, et quand les États ne maîtrisent même plus leur budget, puisqu'il y a les dettes qui font que c'est des banques qui peuvent, s'ils réclament leurs dettes, c'est fini, quoi. Il n'y a aucune possibilité de rembourser les dettes, c'est impossible, quoi, c'est utopique. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est très important de voir, c'est que il y a une sorte de symétrie qui pourrait faire apparaître l'avenir, quelque soit la couleur qu'on lui voit, positif, négatif. Ça permet de voir vraiment au moment où on en est. C'est-à-dire que quand on voit la croissance des entreprises, tout ce côté exponentiel de la croissance et tout ça, au corollaire, il y a disparition de tout ce qui est services publics, tout ce qui est les conquêtes sociales qui sont apparues. Ça, c'est en train de s'effondrer complètement. Et dans tous les domaines, même dans les domaines où il semble y avoir de l'espoir dans l'écologie, justement, on pourrait dire, quand vous dites qu'il y a un avenir, un espoir dans l'avenir, on dirait que vous pensez que c'est la technologie quand même et que ça serait... Vous ne présentez pas assez le côté écologique qui pourrait être l'espoir, on pourrait le mettre là-dedans, quoi. Ça, vous semblez pas tellement tellement conscient de ça. Ça pourrait être quand même, ça pourrait être ça la solution. Enfin, pour moi, c'est la solution. Bon, après, il faudrait qu'on en soit tous conscients. Ici, probablement qu'on est tous conscients de ça, mais il faudrait qu'à l'extérieur, ça transparaisse. Donc, on voit dans tous les domaines, on voit cette disparition des communs. Alors, en même temps que l'idée apparaît, on s'aperçoit qu'elle est en train de disparaître en même temps qu'on en a conscience, quoi. Puisque dans tous les domaines, quand on voit, par exemple, il y a des exemples vraiment qui représentent bien les choses. Quand on voit, par exemple, la bio, ça devient bio-industriel. Les AMAP, c'est un système, si tout le monde connaît, je pense... Les principes de base sont complètement devenus en dehors de la réalité. La question, c'est la minimisation du capitalisme financier. Pourquoi pas investir plus dans l'écologie, parce que là, c'est des ressources, etc., etc. Il faut passer à d'autres questions. Si vous voyez l'idée, c'est un peu ça, effectivement. C'est une courte synthèse schématique. Parce qu'il y a, il y a un côté. J'aimerais bien résumer simplement dans le fait que il y a des idées qui sont portées par d'autres ici, mais que je pense que je peux en donner une idée que c'est important. C'est plutôt que d'anthropocène, on pourrait parler de mégalocène, comme disent certains. Capitalocène. Voilà. Et effectivement, on est là-dedans, toujours plus la croissance. Voilà. C'est ça le problème. L'hubrisme, je pense que Jean-François en va pas parler. Thierry. Oui, Lucille Schmitt, vous avez eu raison de préciser que les géologues ne sont pas d'accord avec le terme anthropocène, et c'est même plus grave que ça. Ils ont décidé en juin-juillet dernier de ne pas officialiser le mot anthropocène.
Et moi, dès que j'ai entendu parler du mot anthropocène, au début des années 2000, j'ai tout de suite compris que c'était un concept morné, un concept raciste, c'est-à-dire un concept qui fait croire que les humains sont tous pareils. Parce que anthropos, c'est l'humanité, et donc c'est un mauvais diagnostic, c'est pas de la faute des êtres humains. Si c'était de la faute des êtres humains, la solution est très simple. On supprime les êtres humains et ça y est, on a trouvé la solution. Or, c'est complètement stupide de penser comme ça. Et donc, à la place d'anthropocène, il faut imaginer d'autres choses. Alors, pour le moment, les géologues, qui sont des gens extrêmement prudents, à chaque fois qu'ils choisissent le nom d'un âge géologique ou d'une époque géologique, on l'a vu au 19e, ils y mettent entre 50 et 80 ans avant de se décider. Donc peut-être que là, ils vont aller un peu plus vite et ils font un congrès tous les 4 ans. Le prochain congrès, en 2020, ils vont peut-être décider quelque chose. Mais pour le moment, ils ont décidé qu'on était toujours dans l'Holocène. Et cet Holocène se divise en 3 âges. Alors, ça commence par le North Grippian. Ensuite, c'est le Greenlandian. Et actuellement, depuis 4200 ans, nous sommes dans le Meghalayan. Et Meghalayan, c'est parce qu'il y a un état dans le nord de l'Inde qui s'appelle Meghalaya. Et dans cet état, ils ont trouvé une grotte. Et dans le fond de la grotte, ils ont trouvé ce qu'ils appellent un spéléothème. Et en analysant ce spéléothème, ils en ont déduit qu'il y avait eu une immense sécheresse brutale il y a 4200 ans. Et donc, nous sommes dans le Meghalayan depuis 4200 ans. Ben voilà, ça c'est pour le mot anthropocène. Il faut arrêter d'en faire les louanges. C'est une invention idiote d'un géo-ingénieur qui s'appelle Paul Crutzen. Je dis géo-ingénieur parce que je trouve que c'est complètement fou de penser qu'aux problèmes techniques, on les résolvra par une super technique en artificialisant complètement le climat terrestre. Donc les géo-ingénieurs style Crutzen, je n'en veux pas. Et s'il fallait donner un autre mot alternatif à anthropocène, je n'aime pas capitalocène parce qu'il faut dire, il faudrait dire aussi communistocène. Puisque c'est le monde industriel qui est en cause, et le mot que je préfère, c'est le mot mégalocène, pour condamner les folies des grandeurs. Et l'autre point, c'est que je suis scandalisé à chaque fois que j'entends qu'on traduit Sustainable Development, rapport Brundtland, par développement durable. Ça n'a jamais été traduit par développement durable. Relisez les textes de l'époque, ça a été traduit en 1987, développement soutenable. Et c'est une horrible personne de Neuilly qui s'appelle Bettina Laville qui a imposé en 1992 d'arrêter de traduire soutenable. Et c'est à cause d'elle que, hélas, nous sommes les seuls Européens à dire durable. Toutes les autres langues latines ne se trompent pas. Ils disent sostenible, sustainable, etc. Donc il faut arrêter. Développement durable, ça n'existe pas. J'irai même plus loin, développement, c'est également une erreur. C'est une erreur imposée par Maurice Strong en mai 1971 au séminaire de Phoenix. Il ne faut pas dire développement. Et bravo, vous avez cité Escobar. Il y en a un autre qui a écrit récemment aux collections Seuil Anthropocène, Sentir, Penser. Ce sont tous des penseurs de Colombie, Équateur, Bolivie, etc., qui remettent en cause la notion même de développement. Il faut arrêter avec le mot développement. Et je terminerai en disant que il ne faut pas non plus être à genoux devant le mot progrès. Moi, je suis pour le regret. Il faut sortir du progrès. Et ma tendance s'appelle, je suis à la suite d'Edouard Abbey, je suis un anarchiste primitiviste. Donc, je viens de lire le livre qui est partout en librairie en ce moment, Homo Domesticus. Ça fait au moins depuis 10 000 ans qu'on se trompe et qu'on est dans le regret. Et donc, on retrouvera un mode de vie épanouissant lorsqu'on sortira de ce soi-disant progrès. Merci. Ouf, merci. Merci. Je ne sais pas si on a tout suivi. Bon, si on se bat sur les problèmes sémantiques, je te propose d'écrire effectivement un dictionnaire des mots, parce que c'est vrai qu'on peut se battre infiniment sur capitalocène, mégalocène, anthropocène, etc. L'important, c'est d'essayer d'être compris par le plus grand nombre. Mais ce n'est pas à moi de te répondre, théoriquement, c'est à nos intervenants de te répondre. Mais je vais vous demander aux autres, parce que là, en 2 questions, on a passé un quart d'heure. Je vais vous demander simplement d'être... Non, non,
Non, mais j'ai écrit ce que j'ai à dire. Comme et, ça, et ben voilà. J'ai dit qu'il est monologue. Voilà. D'être, ce que je voulais dire, c'est pour passer la parole à tout le monde, d'être un peu plus court. Évidemment, la démocratie, voilà. La démocratie, c'est la première condition. Sinon, ce n'est pas un débat. C'est une conférence. Merci. Donc voilà. Donc en fait, moi j'ai bien compris que nous sommes dans le mythe promothéen, drogué au pétrole, puisque aujourd'hui tout est imaginaire. Hein. C'est un monde imaginaire. Alors, en fait, moi j'ai lu un livre précédemment, j'ai même lu celui à la conférence, Comment tout peut s'effondrer, je pense que vous devez connaître, puisqu'il en a écrit même un deuxième un peu plus positif, enfin positiviste. Bref. Moi, ce qui m'a, lors de cette conférence et de ce livre, il nous a indiqué le MIT qui a fait un simulateur, et qui prévoit qu'en 2030, justement, tout s'effondre. Donc vous avez parlé de la collapsologie, enfin, plus ou moins les limites de l'effondrement. Bon. Et qu'en fait, il faudrait changer tous les paramètres pour repousser cette date de 2030. Alors, là, aujourd'hui, les gens que je rencontre un peu partout sont dans le déni. Les gens qui sont ici, c'est des gens convaincus, mais les gens de l'extérieur, ils sont toujours dans le monde imaginaire. Alors moi, en fait, ma question, elle est suivante. Quelle solution ? Est-ce qu'il ne faut pas faire effondrer le système avant 2030 pour faire réagir tout le monde ? Avant l'effondrement réel, et puis rentrer dans une nouvelle civilisation. Ouais, c'est cool. Voilà. L'humanité disparaîtra qu'on débarrasse, c'est ça. Moi, j'étais un peu surpris du fait que vous n'avez apparemment pas tellement de sympathie avec la décroissance, parce que la décroissance, c'est... Et pourtant, vous critiquez la croissance, donc manifestement, pour ne pas être dans la croissance, il faut décroître. À un moment, et après on peut très bien dire que la décroissance est une façon de ramener, de sortir de la croissance, et après on peut arriver à stabiliser les choses. Et ensuite, est-ce que les Indiens d'Amazonie ou les peuples premiers étaient dans la croissance? Je ne pense pas. Est-ce que leur philosophie n'était pas la bonne finalement, et tout ce qui s'est passé après avec cette espèce d'accélération de l'Anthropocène et justement une entrée dans une ère industrielle où une partie de l'humanité confisque l'idée de progrès par rapport à l'humanité en général. Et je pense que le fait que vous vous adressiez à des industriels et que vous soyez que vous travaillez quelque part pour eux, vous oblige à être relativement mesuré dans vos façons d'exposer le problème et d'être relativement positiviste quelque part. Et est-ce qu'il n'y a pas une façon un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière? Là, je viens de lire une étude comme quoi il y a 2,5% d'insectes en moins sur la planète chaque année, en ce moment. Donc, il y a une sorte d'urgence. Bon, c'est ça. Peut-être, enfin, ça fait beaucoup de choses. On va faire une deuxième tournée de questions. Voilà, ben oui, Jean-François et Lucille. J'essaye de faire vite, alors. Votre question, je ne peux pas y répondre, elle est trop profonde, elle est trop profonde. Mais non, je suis d'accord avec ce que vous dites, simplement je ne pense pas qu'il... mais alors là, on pourra en discuter, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il suffit d'afficher le mot décroissance pour résoudre toutes les questions. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Voilà. Bon, autrement, esprit pour se disputer un petit peu quand même. Hein. Je vais dire, par exemple, vous voyez, je crois qu'on serait d'accord sur beaucoup de choses, monsieur, mais dans mon esprit... Je vais vous fâcher, mais ça fait rien, c'est pour aller au cœur d'un... Il n'y a pas une bonne économie et une mauvaise économie. Il n'y aurait pas une bonne économie qui ne fait que du bien et une mauvaise qui serait spéculative et financière. Oui, celle-là, elle accélère, elle exacerbe un petit peu tous les excès. Mais le fond de la question, il est le fond de la question du développement lui-même, qu'il faut penser, un petit peu comme vous venez de le dire, monsieur, peut-être avec d'autres principes. Je n'arrive pas à penser qu'il y aurait une bonne économie qui ne pose aucun problème écologique et une autre qui serait plus mauvaise. Voilà, il y a des marchés financiers globalisés qui accélèrent un petit peu tous les problèmes, mais le développement lui-même pose un problème. L'effondrement, oui, l'effondrement, précipiter un effondrement, je ne le dirais pas comme ça, mais par exemple, c'est vrai qu'on pourrait dire que, par exemple, Trump peut être une occasion de se rendre compte, avec 20 ans de plutôt que prévu, qu'on est dans un système qui est complètement fou. C'est dans un sens... il peut accélérer, non pas, j'espère pas, l'effondrement, mais enfin la prise de conscience qu'il faut réagir. On peut le voir comme ça, si on veut. Alors, autrement, madame, vous aviez dit quelque chose, là je suis complètement d'accord. J'ai l'impression
quelque chose a été loupé dans les années 1970, effectivement. Quelque chose a été loupé. Je ne suis pas assez calé pour en parler. Ce serait un vrai sujet. Ce serait un vrai sujet à faire une thèse pour elle toute seule. Mais quelque chose a été loupé dans les années 70, il me semble, entre les espoirs qui étaient nés à la fin des années 60 et l'enterrement financier et technologique de 1980. Il y a eu quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Des lumières auraient pu nous éclairer différemment, je pense, à ce moment-là. Ça a bien fonctionné pour une petite partie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que là, on va. Bah alors, tu fais sur un thème qui. Là, on a un autre problème. Là, c'est qu'on va vers une. Si on va pas vers l'effondrement, on va à minima vers une humanité qui se coupe en deux. Là, qui se coupe en deux. Les inégalités prennent des proportions telles. Et bientôt, elles vont même pouvoir, avec les progrès de la biologie de synthèse et de la biologie régénérative, se traduire non plus seulement par des différences de richesse, mais par des différences quasi biologiques en termes d'espérance de vie, de santé, de douleur, de faim. Là, on y va tout droit. Vous voyez, c'est en ça qu'il faut que le politique, d'une façon ou d'une autre, prenne la main. Je reviens sur deux questions que vous avez posées aussi, madame, tout à l'heure. C'est non, ça ne peut pas venir de l'intérieur. Est-ce que ça ne peut pas venir de l'intérieur du monde économique, les réformes dont on parle? Est-ce que quelqu'un a déjà compris à quel point on est dans des entreprises qui ont des pouvoirs mondiaux de transformation du monde, et ils ont politiquement, écoutez bien, ce sont des sociétés, juridiquement, des sociétés anonymes à responsabilité limitée. Donc vous imaginez un peu, c'est complètement fou de penser, mais c'est quand même bien ça la question. Donc il y a des connexions, il y a besoin que le politique reprenne la main dans des proportions importantes. Et je ne savais pas que vous avez fait de la prospective. Et le plan et les organismes de prospective aujourd'hui, je trouve, manquent largement d'ambition, n'ont plus aucune ambition. Qu'est-ce que fait le successeur du plan aujourd'hui? Il compare le coût salarial allemand et le coût salarial français à longueur de rapport. Je veux dire, il n'y a plus aucune ambition telle que Gaston Berger. Je connais bien le sujet, j'ai fait une thèse sur Gaston Berger, je vois bien ce que c'est. Alors, j'invite à réfléchir comme ça, propos un peu anachronique. La prospective, il y avait une idée extrêmement ambitieuse chez Gaston Berger. Il parlait même d'anthropologie prospective, c'est-à-dire qu'il essayait d'imaginer ce que le progrès pourrait faire, mais directement en termes de transformation de l'homme, pour ainsi dire, et de société. C'est une idée qui a été abandonnée. Elle a vécu de 1957, le jour où il a prononcé ce terme-là, et c'est mort en 1970 à peu près. C'est mort ensuite, beaucoup trop rapidement. Ça mériterait d'être déterré. Mais quand même, il y avait chez les prospectivistes à l'époque quelque chose d'un peu positiviste. Il y avait une foi dans la science, dans des proportions trop importantes. Qu'est-ce que c'est la prospective? Si on relève la tête, c'était une façon d'envisager l'avenir avec rationalité. Hein, c'était ça. Et donc, ça utilisait beaucoup l'expertise, la modélisation, essentiellement, pour essayer d'envisager l'avenir d'une façon différente. Mais et surtout, ça voulait tirer un trait avec ce qu'on appelait la prévision auparavant. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que la prospective, finalement, je ne sais pas si on peut en attendre quelque chose. J'ai fait ma thèse là-dessus, donc ça m'embête de le dire, mais en réfléchissant bien, je crois bien que ça ne peut qu'accélérer la poursuite de la pensée occidentale, y compris dans ses travers les plus problématiques. Je me demande s'il ne faudrait pas renouer avec la prophétie. Ah oui, il y a tout un sujet là, il y a un énorme sujet. J'attends que quelqu'un fasse un bouquin là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de terriblement important. La prophétie, c'est pas du tout l'art de raconter n'importe quoi, n'importe quand. Pas du tout, du tout, du tout. Les prophètes, si on réfléchit bien, c'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui. C'est des gens qui ne se satisfont pas d'expertise et d'informatique pour envisager l'avenir. Ce sont des gens qui s'efforcent de faire la synthèse de tout ce qui peut se comprendre aujourd'hui pour imaginer un demain avec une direction. Et je pense que cette ambition-là a totalement déserté toutes les cellules de prospective à ma connaissance. Et c'est de ça dont on aurait besoin, à mon avis, entre autres. Voilà. Et pour ce qui est de mettre du charnel dans l'avenir, je manque de qualification. Vous avez complètement raison. Allez. Je pense que vous avez raison. Il faut du politique, il faut des arts, il faut de l'ambition, il faut des initiatives citoyennes, il faut de la jeunesse. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, je suis pas capable. J'essaye de comprendre les questions qu'on doit mettre sur la table. Je sais pas si je vais dire deux choses, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une conférence, on est dans un débat, donc je vais pas parler longtemps. Juste par rapport à la question de la prophétie,
Moi, je suis frappée du fait que, en tout cas sur les questions écologiques, il va de soi qu'il y a une espèce d'association entre la conviction intime. C'est pour ça que faire s'intéresser à la question écologique sur le plan politique, c'est différent de faire de la politique classique. Le lien entre la conviction intime et la question de ce qu'on porte dans l'espace public. Et en ce sens, je trouve que, il faut que je prenne des précautions d'usage, mais je ne suis pas particulièrement croyante. Mais je trouve que, par exemple, quand le pape fait Laudato Si, l'encyclique en 2015, quelques mois avant la COP21, il y a quelque chose qui se passe autour d'un rôle politique, en fait, et prophétique, qui n'est pas porté, justement, par les hommes et les femmes politiques du court terme. C'est-à-dire que, quelque part, le fait d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas les obligations du mandat ou les obligations... enfin, il est élu par les cardinaux, mais enfin, bon, c'est différent... et qui peut se référer peut-être à des autorités auxquelles on peut croire ou pas, mais en tout cas ce qui lui donne une plus grande liberté par rapport au court terme, fait que sur certains sujets, on voit bien qu'un discours prophétique et politique est porté par des personnalités qui ne sont pas politiques, stricto sensu en tout cas. Donc ça c'est intéressant aussi sur la question de la conviction intime, de l'exemplarité, et du fait que sans doute, si on veut inscrire cette transformation du monde dans l'espace démocratique, il faut trouver d'autres personnes. Je crois qu'il faut se le dire, franchement, c'est pas le personnel politique, la sociologie du pouvoir actuel qui va nous apporter les personnes qui vont transformer le monde, que ce soit dans les entreprises ou sur la régulation et la demande d'État. Ensuite, je voulais dire une chose sur l'économie, parce qu'il se trouve que à la vie professionnelle, je travaille au ministère de l'économie, et assez souvent, depuis que j'ai des engagements écologiques, je trouve face à l'idée que l'économie est l'adversaire, l'ennemi intime de l'écologie. Je voulais juste dire une chose, c'est que, évidemment, le modèle de pensée économique tel qu'il est pratiqué dans le court terme, comme vous l'avez rappelé, est dans une sorte de rentabilité, une vision de la rentabilité qu'il faut évidemment questionner, sans tenir compte des externalités, c'est là que notre débat sur la croissance est important, est un débat, voilà, c'est pas un débat économique, c'est un débat sur le choix d'une logique de profit court terme. Et aujourd'hui, quand certains économistes comme Gaël Giraud disent qu'au fond, il faut sortir de la dette, donc les investissements verts, parce qu'il faut les séparer de ce que sont des investissements, en fait, d'un modèle productif qui est mortifère pour la planète, je trouve que c'est très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la substitution, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que dans les stratégies d'entreprise, au fond, on n'imagine pas une substitution d'un modèle écologique à un modèle productif, alors que ce qui compte, c'est ça, c'est la substitution d'un modèle à un autre qui permettent d'imaginer que les investissements, les flux financiers puissent aller vers cette transformation du modèle. Et donc on a besoin d'une pensée économique qui soit associée à ce nouveau modèle dont on parlait. Après, capitalocène, sûrement. Mais il ne faut pas récuser l'économie au sens où elle est un outil qui doit nous permettre d'imaginer cette transformation du monde. Il y avait, on a encore 5-10 minutes, il y avait une question, deux, trois questions. Je vous demande, excusez-moi d'être un peu plus court, pas faire des conférences à chaque fois. Ah, voilà. Excusez-moi, je commence. Bonsoir. Vous avez posé la question de l'occasion ratée dans les années 70. Il y a eu de multiples alertes lancées sur la perspective d'une crise écologique très grave. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on a raté cette occasion? Ben moi, j'ai fait ma thèse d'histoire des sciences sur le sujet. Voilà, on peut la trouver sur internet, elle est en accès libre, ça s'appelle « Les limites à la croissance dans un monde global, modélisation, prospective, réfutation ». Et voilà, je m'appelle Élodie Vieille-Blanchard, et si vous cherchez mon nom, bah, vous allez trouver ma thèse. Voilà. Merci Élodie. Dans l'ordre, je pense que c'était vous. Non, mais si c'était une demande, hein. Oui, Bertrand Séné. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me suis rendu compte que, en fait, on a fait tellement de bêtises dans les dernières décennies qu'on arrive à se fâcher avec certains mots, même celui de progrès, parce qu'il porte maintenant des choses très très lourdes. Et pourtant, le progrès, a priori, c'est juste l'amélioration des choses, donc ça devrait juste être positif. Il n'y a pas de raison que le progrès en soi, ça soit négatif. Et pourtant, effectivement, ça porte des choses très, très négatives. Le problème, c'est effectivement, c'est trois choses. C'est l'épuisement des ressources, de la biodiversité, les émissions de CO2 essentiellement. Et ça, c'est une contrainte qu'on a pour l'avenir qui est très, très forte. Et ça implique
de voir comment concrètement on rend les choses durables dans chaque domaine. Donc là, ça demande vraiment à répliquer dans chaque domaine, réfléchir dans chaque domaine comment on peut faire, etc. C'est ce qu'on commence à faire d'ailleurs. Mais par contre, ça, effectivement, ça montre pas un horizon durable. Ça montre pas un horizon désirable, pardon. Et effectivement, c'est extrêmement important de l'avoir, cet horizon désirable. Alors, j'ai une proposition. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, ça pourrait être le bien-être. Pourquoi ? Parce que le bien-être, ça n'implique pas nécessairement d'avoir beaucoup de matière. Quand on interroge les gens, quand on fait un sondage, on se rend compte que ce qui les rend le plus heureux, finalement, c'est d'être avec des amis ou avec leur amoureux, leur amoureuse. Et que, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et donc, si on a cet horizon-là en tête, on peut très bien imaginer une civilisation du bien-être qui a besoin de beaucoup moins de matière. Seulement, il y a un problème, c'est qu'effectivement, les règles du jeu actuelles font que, quand on pense effectivement bien-être, tout de suite, on imagine de vendre des choses. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut repenser complètement. Et ça implique notamment de supprimer les règles du jeu qui, aujourd'hui, font qu'on va dans cette logique-là. Et je pense notamment au système des marchés financiers. Je pense qu'il n'est absolument pas compatible avec une économie durable. Et je pourrais expliquer longuement pourquoi, mais je ne le ferai pas ici. Je pense qu'il faut absolument qu'on imagine un autre système de financement à la fois de l'État et des entreprises. C'est absolument fondamental pour fonctionner d'une autre manière. Et je l'ai fait. J'ai essayé de le faire, en tout cas, dans un roman d'anticipation économique qui s'appelle Ecosophia, et qui est une forme de prophétie. Donc, voilà. Merci, on est bien dans le sujet. Je rappelle que Utopia a pour but de la construction d'un projet d'associé axé sur le buen vivir. On a préféré y venir au moins parce que c'est en même temps la contestation dans le buen vivir d'un modèle de développement. Voilà, il y avait deux autres questions, je crois, au moins une. Et on va terminer après parce qu'on arrive à ça. Oui, bonsoir René Boissenin. Parmi les alternatives possibles, il y en a deux que vous n'avez pas citées. Je me demande si ça pourrait faire l'objet donc de cristallisation. Il y en a une première qui serait l'intelligence artificielle comme moyen, non pas de progrès, mais peut-être de changer de logiciel et d'alternative. Et la seconde, c'est la nouvelle frontière, c'est-à-dire la conquête de l'espace avec une éventuelle émigration de l'humanité sur d'autres planètes. On est bousillés. Voilà. Non, mais on laisse ça répondre. Bon, c'est pour vous. C'est pour vous demain. J'ai une question très précise sur la fin de votre exposé. Vous êtes allé très très vite sur les trois alternatives au système de valeur des Lumières et j'avais trouvé très original l'idée de mettre en avant le problème de l'accroissement des droits. Vous avez mentionné une alternative, j'ai pas eu le temps de la noter, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce problème parce que c'est au cœur aussi du logiciel occidental. Et on a vu récemment sur Internet des grands débats enflammés sur la dictature écologique, sur ces questions de limites des libertés individuelles. Et c'est un problème très complexe parce qu'évidemment, il y a un risque de dictature. De, disons, d'extinction de l'individu au sens positif. Voilà, est-ce que vous pourriez juste préciser un peu ? Bien, on va vous laisser quelques minutes, effectivement, pour répondre à ces questions. En allant vite, alors, parce que sur le bien-être, ben, comme l'a dit Denis Vichra, c'est le buen vivir, je pense que, en tout cas, c'est la meilleure formulation que moi j'ai trouvée dans mes lectures de ce dont vous parliez, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Madame Vieille-Blanchard, ben, bonjour, je ne vous connaissais pas, mais j'ai bien lu plusieurs fois même vos articles. Et donc je vous remercie, ça m'a servi, je pense que je vous cite dans ma thèse, si je me souviens bien, plusieurs. Voilà. Et monsieur, non, oui, avec l'intelligence artificielle, il se passe des choses très importantes, mais certainement pas facilement dans le sens où que j'imagine. Je pense que là, il y a une tyrannie qui se profile dans des proportions gigantesques. Je sais un peu de quoi je parle, je vois les centaines de millions qui sont mis là-dedans. On vise la disruption, d'accord ? On vise la disruption sans savoir où on va. Je vois de près comment on utilise le big data et l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux produits et de nouveaux services qui vous rentrent dans le cerveau dans des proportions qu'on n'imagine pas.
Donc oui, il y a quelque chose qui va cristalliser, mais pas dans le sens du tout d'une reprise en main du politique telle qu'on est à peu près tous d'accord ici pour l'attendre. Donc oui, il va y avoir une cristallisation, mais qui risque d'aller dans le sens d'un totalitarisme technologique. Voilà ce que je crois plutôt. Elon Musk, je connais bien. Elon Musk, vous avez dit dans l'espace. Hein, je connais bien, parfaitement bien le sujet. Enfin, je pense qu'on peut connaître bien Mars, hein, mais je ne connais pas Mars. Je connais bien d'ailleurs. Je vous invite à lire sa dernière biographie, la dernière biographie d'Elon Musk. Je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prophète du voyage sur Mars ou de la terraformation de Mars, puisque de toute façon, le fond de sa pensée, c'est qu'on a salopé la planète dans des proportions telles que c'est même plus la peine d'essayer d'y rester. Autant utiliser les quelques gouttes d'énergie qui restent pour emmener quelques-uns poursuivre l'aventure humaine sur une autre planète. Quelques-uns. Quelques-uns, ça c'est sûr, parce que je ne vois pas comment on pourrait. Voilà. Je trouve que ça ne tient pas debout. Mais dans un sens, ça ne tient pas debout. En tout cas, c'est pas les progrès c'est pas les progrès que je recherche là aujourd'hui dans notre conférence. Mais par contre, je vois que ces fantasmes-là drainent des milliards et obligent toute une industrie à se restructurer, à licencier dans des grandes proportions. Toute l'industrie spatiale européenne a dû se mettre en rang d'oignon derrière les fantasmes d'Elon Musk pour rester compétitif pour les lanceurs de la fusée Ariane et pour les nouvelles générations de satellites. Vous voyez, donc non, je ne crois pas du tout, je ne pense pas, en tout cas pas pour les générations qui nous concernent, je ne sais pas ce qu'il en sera dans plusieurs siècles, mais en tout cas, quand on parle d'impasse stratégique aujourd'hui, ce n'est pas le déménagement sur Mars qui va représenter une réponse pour les 8 milliards d'individus que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et votre dernier, je ne peux pas aller vite parce que c'est un sujet immense. Je vous invite à regarder les ouvrages. Ah oui, d'accord, mais je veux dire, c'est un sujet énorme, hein, c'est la responsabilité prospective, oui, vous avez tout le dernier chapitre qui vous invite à ça, mais si vous voulez aller loin là-dedans, il me semble qu'il y a plusieurs grands auteurs politiques, il y a notamment les derniers livres de Marcel Gauchet, je trouve, on peut en penser ce qu'on veut, mais sur ce sujet-là, il explique comme personne d'autre ne l'explique, en quoi, finalement, des droits de l'homme ne suffisent pas à faire une politique. Vous voyez, les droits de l'homme, la recherche de liberté individuelle, poussée à outrance, ne suffit pas à faire monde. Et je vous invite à regarder, alors bon, c'est lourd, hein, c'est des trucs de 800 pages, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Je vous donne peut-être... Moi, je vais juste répondre sur cette dernière question, parce que je pense que la question des droits, on doit aussi l'avoir... Moi, je pense que le droit, c'est quand même une nouvelle frontière écologique. On doit avoir ça par rapport aussi aux droits de la nature, aux droits des êtres non humains. Et donc, on ne peut pas réduire ça à la question des droits humains. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le droit représente pour beaucoup de citoyens, à travers les procès climatiques, etc., une capacité de se faire entendre par rapport à des institutions qui, elles, peuvent donner une place à la question écologique. Et je crois aussi que, au fond, l'idée n'est pas d'installer un régime autoritaire, l'idée est de changer ce qu'on peut appeler des réflexes ou de rendre visibles des choses qui aujourd'hui sont invisibles. Par exemple, sur l'agriculture productive, on ne sait pas que l'agriculture productive est extrêmement subventionnée. Il faut le faire apparaître, et à ce moment-là, on pourra, comme je le disais, refaire une allocation de ressources qui permette d'organiser une agriculture, que ce soit une agriculture biologique. On doit faire apparaître la manière dont, par exemple, lorsqu'on choisit des modes de transport, aujourd'hui on nous dit que ça coûte très cher les chemins de fer, mais la vérité c'est que le mode de transport qui est le plus subventionné, c'est évidemment le transport routier. Donc il faut à la fois rendre visibles des réalités économiques qui sont devenues invisibles parce qu'elles bénéficient à un système, et faire en sorte que apparaisse, comme l'expression de droit, un changement de réflexe. Nous sommes aliénés par la consommation, nous sommes aliénés par le court-termisme. Retrouvons notre droit à être des personnes émancipées et des personnes libres. Donc je crois que l'idée, c'est au fond de revisiter ce qu'on peut percevoir comme des droits et faire apparaître que ce ne sont pas des droits, c'est juste une manière d'être aliéné, et de se servir du droit comme d'un outil qui permet de changer le monde. Donc sachons trouver les réglementations, les textes, les lois qui nous permettent au fond d'attaquer le système. Elles existent, il suffit juste d'être pugnace. D'où l'affaire du siècle. Si nous n'oublions pas, il ne faut pas mettre peut-être aux orties la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup de droits collectifs et sociaux dans la Déclaration des droits de l'homme, qu'on oublie beaucoup, on parle essentiellement des droits politiques individuels, mais il y en a d'autres.
Et c'est cela aussi qu'il faut peut-être mettre en avant. Voilà, donc on est loin d'avoir épuisé le sujet, je pense. On va continuer, je fais un tout petit peu de pub. On a publié un livre qui s'appelle « Les droits pour la nature », justement sur ce thème-là, piloté par Valérie Cabanne, pour ceux qui le connaissent, effectivement, dans le cadre du Tribunal international des droits de la nature. C'est quelque chose qui progresse, qui suit son cours. Il faut effectivement aller plus loin. Merci à nos deux intervenants. Merci Jean-François, merci Lucille. Nous vous donnons rendez-vous le 12 mars, dans un mois, pour le municipalisme libertaire au Rojava, donc une source d'inspiration pour les mouvements municipalistes en Europe, avec donc le représentant du Rojava en France. Je ne sais pas si on prononce comme ça d'ailleurs. Rojava, ça suffira. Ok, merci à vous tous et bonne soirée.